Ah, Steve, te voilà. Ah, salut. Ça va? Salut, ça va? Ouais, ça va. Par les temps qui courent, je trouve que les bébés sont violés. Bon, en tout cas, je voulais te montrer une photo. Regarde. Ah, ouais. Hein? Si. Et en plus, il faut que je te raconte l'autre fois. Ouais. C'était l'autre fois quand j'étais dans la cuisine. Non pas cactus qui part faire l'amour à Bill Clinton. Mais c'est... Guillaume! Oui, c'est moi. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'il foutait là, Guillaume? Faut qu'on s'en méfie. Je le trouve bizarre. Mais on s'en fout, je sais, ne fais pas peur. Ouais, c'est ça, toi tu t'en fous tout le temps. Allez, casse-toi. Mais oui. Oh, le gros naze. Ouais, c'est ça, essaye pas de te plaindre. Mais c'est fermé. Mais qui c'est qui a fermé? Oh non. Ah, tu vas. C'est Guillaume. C'est une impasse, merde. Oh putain. Bref, sale. Oh, tu m'as manqué, je pensais qu'il m'avait tué. T'as dit, je suis pas pédé. T'as pas mal un peu au bide là? Non. Enfin, si, là, tu te tiens. C'est une égratignure, c'est tout. Tu crois qu'il est vraiment mort? Ouais. Je pense. Faut appeler la police quand même, au cas où. Allez, viens, on y va. Et je vais tuer mes voisins, ils auraient pu m'aider quand même. On fait une raquette ce soir? Ouais. Bonjour à tous, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait du Dark Side Chronicles avec Guillaume Michou. Mon cul. Ah oui, bah toi, j'ai vu. Ouais, bah c'est sûr, si t'as vu. Ah, parce que j'avais appuyé sur 2, j'avais pas appuyé sur 1 pour rejoindre. Hein? Salut, minute. Salut. Aujourd'hui, on a vu le colonel Chabert. Ok. Et je connais son cousin, le colonel Chabit. Arrête. J'ai juste le portable à côté, il n'explose pas. Ça va, tu l'as pas au niveau de la bite, donc ouais, quand même. Si je lui touche la bite, il y a son portable dans la poche qui explose. La logique. Ah, mais évite de faire ça, ça... Oh, tout de suite. Il aime pas que je lui touche la bite, c'est ça? Ok, t'es bien. Bon, on va faire le jeu de l'oubli. Ah, c'est en fait, c'est un jeu où tu dois oublier. C'est ça, le jeu de l'oubli. Bon, moi, je m'assis. Que l'autre il pourra pas faire. Alors plus je fais chier, c'est machin, j'ai mal au bras droit. Chapitre 1. Jouer avec le bras gauche, ça va être drôle. Et moi je crois que la Redfield. Moi je l'aime bien. Ouais. Ah oui, en même temps. Ah, Bernie Schmouf. Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui te mets là. Ah, ouais. Enfin, ah. Non, fuck it, vas-y. Fuck you. Chauffe. Ah oui, c'est vrai. Fuck. Je m'appelle Steve et pourtant je le prends pas. Oh là là. Bon. Attends, moi je prends pas le. Je... Ça, ici quoi. Je crois que je suis bourré. Alors Steve, t'es chaud? T'es prêt? T'es. Bon, on va mettre à 25 comme avec Sam et Max et puis on augmentera si. Pour les cinématiques. Bon, vu que ça va commencer avec une cinématique, on peut me mettre direct à 27. Ouais.
C'est aussi avec Sam et Max. Ah, vivement que je fasse du Call of 2, c'est marrant. Ils étaient aristocrates, entitled by a greed for power. Non, vivement que je fasse. Foundation of Umbrella. The Ashford family had also independently performed research on the Veronica virus. However, 15 years ago, Alexander Ashford disappeared under mysterious circumstances. To make things worse, Alexander's daughter. Moi, je vais parler. Pour ceux qui connaissent pas le scénario de Code Veronica, attendez que j'ai fait la soluce de Code Veronica avant de porter un jugement sur cette partie-là. Vous verrez, il y a beaucoup de différences. Alors, autant le scénario de Resident Evil 2 il respecte bien, autant celui de Code Veronica, il y a beaucoup de différences. Gradually lost its power to the Steve pourra vous le confirmer. Quand je vais y arriver, la soluce. Alexia's brother, Alfred, was devoted to a mere supervisor, and he was sent to command a private detention facility. Mais en fait, il va l'abandonner comme la campagne de Chris, le Rebirth là. Je l'ai pas abandonné. Techniquement, elle est terminée. J'avais juste pas envie de me faire chier. J'ai fini avec Jill, donc j'ai classé la soluce terminée. Ah non. De toute façon, c'est aucun des deux scénarios qui est canon. C'est un mix des deux. Vu qu'il y a Rebecca, Barry, Chris et Jill qui sont censés survivre. Alors que dans l'un des scénarios, il y en a au moins un qui manque. Hein? You're right, Alexia. Since you've come back, I've never been this happy. Psychopathe, schizophrène. Non, mais on le voit direct dès le début qu'il a une tronche de psychopathe. Et qu'il a pas dormi depuis 4 jours, parce qu'avec les cernes qu'il a autour des yeux. Ah, les forces de Wesker attaquent l'île, pour ceux qui savent. Ouais. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on les rencontre jamais dans Code Veronica. Oh, j'avoue. On rencontre juste des zombies d'eux, c'est tout. Wait, I wasn't trying to escape. I just the alarm sounded and the door unlocked. I thought that I Rockford Prison, detainee 267. Bon, moi, on sait qu'il y en a au moins 267 des prisonniers. Donc 267 zombies. I'm Claire Redd. Non, 266, si on compte pas machin. Eyes forward. So, what's your name? My name's Steve. D'ailleurs, je me rappelle qu'on avait vu la naissance de Steve dans 9 mois fermes. Ah ouais. It gets you too? Yeah, you could say that. Bon, moi, les décors sont respectés, c'est déjà une chose. Boum, ah là, comment t'as fait pour te changer aussi vite? Attends là. Attendez, il est bourré. Des tombes! Bon, vas-y. Ah d'accord, non, je peux pas viser, ok. J'allais dire. Putain, c'est quoi, c'est l'une des lumières indestructibles? Par contre, le bleu, ça va être chiant, hein. Parce que regarde là. Moi, je vois à peine le bleu. En même temps, là, t'es pas censé jouer, donc on les voit moins quand t'es pas en phase jouer. Donc, c'est lui qui est en mode pas jouer, hein. Hein, Steve, c'est toi qu'on verra. Bah, attends, moi, faut que je. Faut que je rappelle un peu. Tire, Steve! C'est des zombies! Sérieux? Des zombies! Headshot. Il y en a un là-bas. Meurs, communiste. Oh putain, j'ai fait péter quelque chose, t'as vu? Ouais. Oh, ces enchaînes là. Oh, regarde, il y a encore la pack de mon truc. Alors, tu connais bien le scénario de Code Veronica? Ouais, à peu près, ouais. Oh, j'ai des petits trous de mémoire, mais bon. Comment je connais. Tant que t'as pas des petits trous ailleurs. Ah, mais je connais vraiment en général le jeu. Alors, la question qu'on pourrait se poser est évidemment, est-ce que ça pète? Non, ça pète pas. Mais ce qui me fait rire, c'est que la fenêtre qu'on vient de voir, c'est techniquement celle qui se fait péter après avec un zombie qui sort avec les deux calicots. Ouais. Mais quand tu es à l'extérieur, elle est pas pétée, elle est tranquille. T'as remarqué? Ouais, ça peut mal faire, mais bon. Ouais. Je donne un coup de couteau. Il y a un bâtiment en feu, là. Mais bon, tire pas sur ton pote. Pas du tout histoire. En tout cas, putain, quel temps. Par contre, ce qui me fait rire dans le scénario de Veronica, c'est à quel point autant à Raccoon City, il a fallu quelques jours, autant là, en même pas une heure, ils sont tous devenus zombies. T'as remarqué? Ouais. Hein?
Hey, quand Claire se réveille, elle entend les premiers bombardements et quand elle est sortie, ils sont déjà tous zombies. C'est quoi ce bordel? T'es d'accord? Oh merde, il me fait un Big Mac là. Homer Simpson un zombie. Hein. Oh punaise. Ah bah on les a vus dans Resident Evil 6. Des Homer zombies. Attends, c'est quel tout déjà? Non, c'était l'autre. Allez, grenade. Pom, 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 pom. Non, je crois que t'avais pas les grenades. Plus tard. Pouah. Ah ouais. Moi, je suis comme ça. Le pire, c'était les toilettes qui étaient ouvertes. Je me rappelle avec les petits cafards. Ici. Ou c'était là-bas? Non, c'était là-bas. On peut la péter la porte? Bonne question. Non, non. Moi, je rigole pas. Imagine les flics qui auraient été pour examiner l'appartement. Il faut comme ça. Moi, 10 à 10, ils se renfuient, hein. Oh, t'imagines un criminel 15? Oh putain. D'ailleurs, tu continues en ce moment? Ouais, ouais. Ouais. Essaye d'essayer de continuer tous les jours pour que je puisse avoir 5 étoiles d'aide avec toi. Là, j'en ai 2 là. Ouais, en tout cas, moi j'ai 5 étoiles vu que je joue tous les jours là. Donc, moi je suis très utile à mes amis. Mais bon. Mais le truc, c'est que j'arrive pas à répondre à tes invitations là. Le problème, c'est que. À part toi, il n'y a plus aucun de mes amis qui y joue depuis le temps. Même pas Bruno. Non, il y a peu. Depuis le temps que j'y ai pas joué, de toute façon, eux aussi ils ont arrêté. Bon, maintenant c'est les grenades. Ah, oh, bah on en a 6. Ah, vous en avez 3. Non, mais j'en ai ramassé. Ah ouais. T'inquiète, Michel. Pouah. Ah, ici, il y avait un mémo intéressant. Hein. T'en rappelles? Ouais. Boum. Oui, c'est vraiment stupide hein, de jeter des grenades aussi près de nous. Ouais. On dirait Forrest Gump, le mec aussi con là. Pour ceux qui ont vu le film. Zombie. Tu l'as vu toi au moins? Lequel? Forrest Gump. Non, ça me dirait. Ouais, je tire dans le cul. Ils font tous dodo. Hein? Ouais. T'as remarqué, ils dorment tous. Regarde, c'est cette fenêtre dont je vous parlais. Ouais. Ah, zombie! C'est bizarre, je tire à travers, tu vois, t'as capté. Ouais. Zombie. Ah! Headshot. Au pif, sans avoir pris le temps de viser. Je vais t'aider! Voilà, je t'ai aidé. Oh putain, il t'a traversé. Oh! C'est quoi ces douches? Il y a que 3 douches! Pour une vingtaine de prisonniers. Ouais. Faut pas ramasser la savonnette, hein, moi je te le dis. Il y a quelqu'un dedans. Il a pas réagi à ma blague, mais c'est pas grave. Il y a quelqu'un dans la poubelle. Un Stevenet. Ne m'appelle pas Stevenet. Oh, regarde, il ouvrait. Il avait la bouche ouverte. En gros, il était comme ça, Steve. Ça, c'est dur. Merde, on va se chercher le cadavre, je suis con. Et si on lui donnait un coup de main, bonne idée. Pourquoi Steve il propose des idées à la con? Non, pas toi, l'autre. Hein, hein? Headshot. Boom, headshot. Boom, headshot. J'ai fait headshot sans face, toi. Non, ça c'était pas headshot, ça c'est autre chose. Combo, combo. Ouais, je crois que c'est ça. Regardez. Hein, quand c'est bleu, c'est combo, quand c'est rouge, c'est headshot, t'as compris? D'accord. Ah moi je t'ai dit d'accord parce que mon visage était bleu. Non non. Ouais, ça peut m'affecter. Hey Mickey, on time to say. Ah Mickey! Il a un nom pourri de PD mais c'est pas grave. Meurs, sale communiste. Eh. Donc tous ceux qui s'appellent Mickey, vous êtes des PD. C'est ça en gros. Headshot. Salut Antonio. Allez là. C'est le dernier zombie, forcément plus résistant. Remarquons que tous les verres reviennent. Et en plus, il y a des nouveaux trucs dedans. On peut regagner de l'argent avec. Hein? Mais bon, vu que j'ai gaspillé toutes mes grenades. Tu peux en avoir quoi, maximum? Je sais pas. Regarde, voilà, poum, de l'argent à nouveau. Qu'est-ce que fout de l'argent dans des gobelets pour boire? Ça ne pousse
que tu es J'ai un plus grand viseur que toi. Looks like my brother was never even here. On dirait que mon frère n'est jamais passé. Umbrella probably doesn't know where he is either. Hey! Why are they after him? Non, le père, c'est ce qu'il fait. C'est, il fait vraiment ça. Il lui mate vraiment le. Comme moi. Moi, je voudrais bien son flingue. Son Luger, son truc là. Ouais, ça, c'est pas un Luger en or. C'est un Luger, ben, tout simple. Eh ben, je suis né en 1997. Le mec, il raconte sa vie pendant 3 ans, la cinématique qui dure longtemps. T'as vu de trop faire trembler là, t'as vu déjà comme j'ai placé. Fais pas tes petits sauts de lapin là. Touk, 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 touk. So we're in the southern hemisphere. Yeah. So you don't know much about this place, do you? Non, je suis américain, je pense qu'à ma gueule. Nous les Américains, nous sommes les plus forts, non. That's Alfred. He's the only surviving member. Rumor has it. He went mad from loneliness. Ah, déjà à l'époque, il avait pas dormi depuis 5 jours. Anyway, I've got to contact Leon. He'll come for us. C'est bizarre, d'habitude l'ordi était pas là, hein. Dans le code Véronique Alexa. Non, il y avait rien ici, il y avait pas d'ordi. Un médecin. Oh, 2 headshots, ça c'est beau. Hein. Oh, on peut pas les tuer ceux-là, là, quand ils sont comme ça. Dommage. Ah, je peux plus. Ah, mais c'est violé! Ah, carrément! Il lui a fallu 6 balles dans la tête pour qu'elle explose! We don't know where it goes! Oh la 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 la. Comment on fait pour utiliser de la bœuf déjà? Moins? Plus! Plus! Gâche pas trop! J'en ai fait qu'une! Ouais, ouais, il faudra que je te montre les niveaux là. De mon jeu que j'ai posté au jour où je filme cette vidéo. Hein? Parce que justement, il y a de la bug. Ding dong dong, ding dong dong, da la 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 la. Oh, des chiens! Oh putain, il a valsé celui-là. C'est bon, il est mort. Ah bah non, il était passé. Après tout ce qu'on lui a mis, il est encore... Eh, hey, qui c'est? Ah, t'as vu, il y avait un là-bas. Oh punaise, voilà. Headshot. Oh là là, on a fait tous les deux. Oh, mais on est en forme aujourd'hui. Hein. Ah, il y a Michael et Douglas qui se ramènent. Et Trevor. Non, et Douglas. Ah. Ça me manque Silent Hill 3 maintenant que j'ai fini. Ouais. Là j'avais vu que j'avais posté la dernière. Faudra que je regarde. Non, j'ai pas posté encore les dernières au moment où je parle, mais bon. Hein? Pas de problème. Ça met Max, ça t'intéresse de regarder mes solutions? Non. Ah, pas ça, non. Holt, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas Sam & Max, c'est Heavy Rain et Silent Hill 3 pour l'instant. Non, c'est Silent Hill 3. Oh, Heavy Rain, je comprends, c'est vrai qu'il est génial. Hein? T'inquiète pas, je te mettrai des commentaires sur chaque vidéo de Silent Hill 3. Je pensais que t'allais dire Heavy Rain. Non. Non, mais Heavy Rain est génial, je comprends. Enfin, si, peut-être la cinématique que tu m'avais montré. C'était ce que j'ai vu. J'aime pas le jeu. Non mais franchement, il est génial. Non, franchement j'aime pas. Il aime pas alors qu'il a encore quasiment rien vu. Non, franchement j'avais déjà rien à peu près. Non mais je comprends pas pourquoi t'aimes pas. L'histoire est fabuleuse. Et en plus c'est pas mou du tout. Ta gueule, je suis en train de parler à Steve. Alors donne-moi le snipe. Ah mais elle n'a pas là-dedans. Enfin je crois. Non. Tu te vois avec un snipe dans un rail shooter, dans un House of the Dead. Non. Je crois que c'est l'arme qu'on n'aura jamais dans un jeu comme ça. Ben surtout c'était. Surtout que l'écran n'est pas partagé en deux. Les mecs là, il y a 2 snipes qui se chevauchent là. Wait.
Lance-roquette. What are you gonna do? She must be un out bisou. Of her mind singing a lullaby at a time like this. Tu veux mon lance-roquette? That's exactly why I can't leave her out here all alone. Oh, elle fait sa wesh là, hein. You've gotta be kidding wesh. Me. I should've just left you alone too. Des zombies! Des zombies! Wow. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est qui lui? Quoi, tes copains? No rest for the wicked. Salut! Et toi, je t'ai dit de plus bouger, là. Et toi non plus, là. On arrête de bouger, là. Ah, headshot. Et toi aussi, on arrête de bouger. Il a perdu son chapeau. Et sa tête aussi. Go, go, go. La Jeep était déjà là dans le truc. Ah, non. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est des oiseaux? Non, c'est des mammifères. Le pire, c'est que c'est vrai. Ah! Ah, c'est des killers. Ah, c'est la guerre, mon colonel. Ah, j'ai le couteau, toi tu fais une tête. Steve, ouais. C'est pas ma guerre, mon colonel. J'ai le couteau, ça nous fait autodéfense. Ouais. Ça fait du bruit. Ouais. Des chiens. Bon, adieu les chiens. Putain, c'est quoi ce chauve-souris? C'est vrai qu'il n'avait pas dans Code Veronica X, hein. Si. Attends. Mais beaucoup moins. Elles étaient aussi nombreuses que les corbeaux. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Je me disais bien qu'elle avait quand même. Hein. Je me rappelle plus. Ouais, elles étaient dans les trucs sombres, t'étais obligé d'utiliser le briquet pour... Ouais, le briquet, voilà, le briquet. Donc en fait, tu pouvais réussir le jeu sans problème. Hein. T'avais le briquet, c'était tranquille. Hein. Ah ouais. Mais pourquoi là t'as pas de briquet, idiot? On serait pas obligé de gâcher toutes nos balles de mitraillette si t'avais ton briquet. Oh, le RPG. Mais qu'est-ce qu'il a foutu, Rodrigo? D'ailleurs, il est même pas présent dans cette adaptation hein, de Code Veronica. Eh ouais. Rodrigo. Je n'ai pas pu faire tous les mains poignées, moi. Et en fait, on laisse sa poignée. Ouais. Ah bah je peux te terminer. Ça sert à quand même de regarder Heavy Rain au moins une vidéo pour voir. Ouais. Tirette putain. Parce que les personnages sont bien, surtout Carter Blake. Je le déteste, mais tu verras pourquoi. Parce qu'en gros, c'est le gros flic brutal qui frappe tout le monde pour leur interroger. Ça sert à toi. Je crois pas qu'on a un S, si. Je sais pas. Comment il y a un B là. Peut-être Sleep. Ah. Oh il est chiant. T'es normal, le nombre de kills, t'as utilisé une pote coup très cher. 217. Tire à la tête, 16. Temps pour finir, 12. T'as vu, c'est qui le beau gosse? C'est qui va te trouver le Saint-Bernard? Oh, améliorons le flingue. Vitesse de rechargement, on recharge plus vite. Bon bah j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, bye bye les gens. Merde, c'est fermé. Ah, ils m'ont oublié. Oh mon dieu. Ah mais bon, si vous voulez, elle était censée faire lentement. Ouais, mais là déjà quand je suis arrivé dans mon escalier, je suis arrivé un peu trop tôt. Coupez.